Bonjour à tous. Je vous invite à ma prochaine conférence qui s'intitule « Surcharge de votre cerveau, danger pour votre santé ». Quels sont les moyens pour vous protéger, vous et votre cerveau ? Cette conférence est la suite de ma conférence « Comment votre cerveau réagit face à la réalité ?» dont le lien est dans la description de cette vidéo pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. En effet, j'aurais pu intituler cette conférence « Comment votre cerveau réagit face à l'actualité ?» Au cours de cette conférence, la conférence précédente, je vous expliquais pourquoi votre cerveau n'avait aucun moyen par lui-même, je dis bien aucun moyen par lui-même, de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans une information, entre le réel et l'imaginaire. Il en est de même dans le monde d'aujourd'hui, entre le virtuel et le réel. Vous vous sentez submergé par un trop-plein d'informations, de communications. Vous cherchez par tous les moyens de vous remettre sur les rails. Ainsi, vous suivez des formations, des stages, des séminaires, yoga, méditation, relaxation, respiration, hypnose, et la liste pourrait être très longue. Mais vous constatez que les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous. En effet, le profond mal-être et le stress sont comme ancrés en vous. Et je vous dis cela parce que j'ai plus de 50 années d'expérience et de pratique. Et je le constate chez toutes les nombreuses personnes que j'accompagne. Et je vous l'affirme. Et je dis bien, je l'affirme haut et fort. Il est grand temps de sortir de votre dangereux déni en changeant votre manière de penser, d'agir et de vivre. Mais je vous rassure, les moyens, la méthode pour sortir par le haut existent et je les développerai pour vous au cours de la conférence. Aussi, je vous ferai faire aussi quelques exercices, ce qui vous permettra de comprendre, de mieux comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à dépasser leurs problèmes et d'autres restent au milieu du gué. À la fin de la conférence, je répondrai à toutes vos questions et même au-delà. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent mieux connaître les pouvoirs de leur cerveau, alors je propose un atelier qui suivra la conférence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.